Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de palettes, le Update et un petit décloteur. Donc je vous remets en barre d'infos la playlist de tous mes produits make-up, la collection en détail, comme ça vous pouvez aller voir tout ce que j'ai. Et là, on va faire le update des palettes, hein. Je vous l'ai fait à Noël, je vous la fais toujours deux fois par an. Je la fais un peu plus tôt que d'habitude, parce que normalement je la fais en été, mais là il faut que je déclotte un petit peu, parce que j'ai trop de palettes. Vous voyez ici, j'ai dû superposer, donc ça rentre plus dans mes rangements là derrière. Donc ce que je vais faire, je vais m'asseoir par terre avec vous, comme ça vous voyez en même temps comment elles sont organisées, et on parlera de chaque palette. Bon, on commencera par là, parce que là c'est sûr que normalement je ne retire rien, quoi. C'est mes préférées qui sont... Enfin, après je les aime toutes, mais voilà. Et on fera un petit décloteur, donc je vous ferai un gros plan à la fin. Maintenant, s'il y a des palettes qui vous intéressent dans le décloteur que je vais faire, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Instagram, c'est beaucoup plus facile, ou même par mail. Normalement, vous l'avez en barre d'infos, je ne sais plus. Voilà, si jamais il y en a que vous voulez, et à ce moment-là, on s'arrange pour payer par PayPal / Vinted pour limiter les frais, quoi. Vous voyez ? Bref, donc ça, vous me MP si jamais il y a des palettes que j'aurai enlevées qui vous intéressent. Et je les mettrai un peu plus tard en vente sur Vinted, dans quelques jours après la sortie de la vidéo. Voilà, je vous laisse la priorité, avant de les mettre en vente, je vous laisse la priorité à vous, s'il y en a que ça intéresse. Donc je vous ferai le close-up à la fin des palettes que j'aurai enlevées, et on se finira, classique, on se quittera sur ce point de vue, je ne vous reprends pas en face cam après. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà mettre le pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse tout de suite avec mes palettes. Alors vous allez entendre les chiens faire Chita et Meme en bas. Donc voilà toute ma collection de palettes. Donc il n'y a pas les palettes teint, hein, c'est juste les palettes yeux. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer par là, voilà, je les ai classés un peu par taille. Bon, vous voyez que les deux nouvelles Jeffree Star, je ne sais pas les ranger, j'ai pas assez de place. Donc je vais devoir faire deux profondeurs. Et là, il y a pas mal à trier dans les petites palettes, parce qu'il y en a beaucoup que j'utilise pas. Et donc voilà. Mais on va déjà commencer par là, parce que là, logiquement, il n'y a pas grand-chose que je vais enlever. Donc, c'est même pas logiquement, c'est certainement. Donc voilà, on va commencer par la première case. Donc bien évidemment, j'ai raillé dans les pieds. Alors on a tout premièrement mes trois jolies beauty. Donc je vous mets les playlists swatch and make-up et une palette à make-up en barre d'infos. Donc on a d'abord la Intergalactique. Je ne détaille pas toutes les palettes, hein, parce que sinon on en a pour 3 jours à filmer. Voilà, c'est une des marques que je préfère. Riley. Et bien sûr, on a Miss Patate dans les pieds. La Etiwility, je crois que c'est ma préférée avec la sorcière. Enfin, non, je les aime toutes les trois. Mais quelle beauté de palette et quel univers. J'adore l'univers. Vas-y, qu'elle marche sur mes palettes. Elle. Et la Sorceress. Pareil, univers très. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vais les ranger au fur et à mesure, hein, parce que sinon, ça va être un bordel sans nom. Ici, c'est toutes les Be Perfect. Allez, fous-moi la paix. Alors, on a d'abord la Sceptre avec The Vivienne. J'aime beaucoup cette palette. Pourtant, au départ, elle ne m'inspirait pas trop. Et je l'ai reçue dans un swap une fois avec les filles. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. Elle est vraiment hyper complète. Il y a le teint avec. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, il y a les Carnivals. Ma préférée, la Interstellar, c'est la dernière qui est sortie avec Stacy Marie, bien évidemment, c'est ma préférée. Bon, vous vous doutez que c'est parce qu'il y a du vert et du gris, mais franchement, elle est canon, les fards sont magiques. Voilà, les Be Perfect avec Stacy Marie, c'est vraiment, enfin les Carnivals, quoi, c'est vraiment mes préférées. On a la XL Pro palette, donc c'est la première qui est sortie, et d'ailleurs, je viens de voir que la Interstellar n'était pas rangée à sa place. Voilà, c'est la première qui est sortie avec les highlighters sur le côté. Il
On a la The Antidote. Donc celle-là, c'est pareil. Franchement, quand elle est sortie, je me suis dit, bon. Et finalement, je l'adore. Voilà. Je crois même que c'est ma deuxième préférée avec la. D'abord la Interstellar et ensuite celle-ci. J'aime trop, trop, trop ces palettes. Donc normalement, la Interstellar vient là par rapport à la taille. Oui, j'aime bien les classer par taille. Hein. La Carnival 3 Love Tahiti. Voilà. Plus peps, hein. Elle se complète très bien avec la XL Pro. J'aime beaucoup ces palettes. J'ai également la Dream Manifest, Dream Big Manifest. Celle-ci, je l'aime un peu moins. Pas question qualité, mais question, elle est mal rangée, quoi. Et c'est juste, voilà, quand je la vois, je ne sais pas ce que je vais faire comme make-up, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vraiment mal organisée. Il y a un bleu là, un rose là, un marron là, un là. C'est vraiment très, très, très mal organisé. Et ça, j'aime pas. Alors, ensuite, on a les deux Jeffree Star palettes plates, quoi, je vais dire. Donc, la Crématide et la Jawbreaker. La Jawbreaker, c'est une palette arc-en-ciel. Ma teinte préférée, c'est la Bubblegum. Voilà, c'est un rose que j'adore et je l'utilise très souvent quand j'ai besoin d'un rose. Et la Crématite fine. Voilà. Bon, là, il faut aimer le Dark et le Nude et le Gris, hein, mais je l'adore, cette palette. Et ensuite, on termine avec les Beauty Bay. Donc, j'ai les trois grandes. C'est des 42 couleurs, la Midnight, la Hersey et la Berry, c'est la dernière que j'ai achetée. Quand ils ont sorti les premières, ils n'avaient pas sorti la Berry en grande. Et quand elle est sortie, je l'ai achetée direct. À un moment, je me disais, oh, je vais peut-être pas la garder, j'ai tout Riley, j'ai d'autres teintes roses. Et au final, dès que j'ai besoin de rouge ou de rose, c'est dans celle-ci que je vais. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, je la garde. La Hersey, bien évidemment, qui est ma préférée, puisque ça va, c'est du vert. J'aime beaucoup. Il y a toujours une part de marronné hein, dans les palettes vertes de Beauty Bay. Et la Midnight, je l'aime énormément aussi. Mauve, bleu, très bien organisé, j'adore. Ensuite, j'ai celle en collaboration avec Nikki Tutorials. J'adore le packaging. Je n'arrive pas à l'ouvrir comme ça. Je me suis beaucoup tâtée pour celle-ci. Et finalement, Manon me l'a offert dans un swap en me disant, voilà, t'hésitais, maintenant tu l'as. Et je l'utilise très souvent. J'adore les lumineux. Les mats, ils ne sont pas foufou parce que c'est des teintes assez basiques. Mais les lumineux sont vraiment canons. Donc voilà, je l'aime bien. Et ensuite, j'ai 5 des petites palettes comme ça, toujours en édition limitée. J'ai la Edge of Opulence. Je crois que c'est ma préférée avec la... je ne sais plus comment ce qu'elle s'appelle. Voilà, celle-ci, je l'adore. Bah, la Book of Magic aussi, j'aime beaucoup. J'ai la Retro Love. Donc ça, je crois que c'est la dernière qu'ils ont sortie. Je me suis tâtée aussi à l'acheter et finalement, je la regrette pas du tout. Voilà, j'ai... Maintenant, quand ils sortent des petites palettes comme ça, je les achète. C'est avec cette palette, ouais, cette palette-là que j'ai découvert la marque grâce à Manon. Et c'est la Book of Magic. Et je l'adore. Elle m'énerve à vous faire bouger. Là. Je l'adore trop. trop. Il faudra que je la réutilise dans pas très longtemps. Une de mes préférées aussi, la Wilderness. Je l'aime trop. Voilà. Et elle est idéale pour faire... D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo... un make-up par rongée, j'aime trop. Et la Dark Fantasy, donc celle-ci, j'ai beaucoup hésité, et puis j'ai une abonnée qui est venue plusieurs fois chez moi et qui avait utilisé cette palette-là. Je l'ai trouvée en solde, elle était à 8 euros, je crois, un truc comme ça, 8,50 euros. Donc du coup, j'ai craqué et je ne la regrette pas du tout. Voilà, elle est très belle. Donc maintenant, quand ils sortent une palette dans cette édition-là, je l'achète. Voilà. Bon, il m'en manque, hein, bien sûr, je ne l'ai pas tout acheté, mais... Après, il y en a qui sont un peu trop nude à mon goût. Donc, on va passer à côté. Donc, ici, on a Morphe. Ça, c'est du Revolution NYX. Voilà, et tout, un peu toutes les palettes. J'ai Riley qui est en train de regarder le retour caméra. Ça me fait rire. Enfin, voilà. Bref, on va regarder en détail si elle veut bien tenir dans ce sens-là.
Alors, j'ai d'abord les deux révolutions ici, la Kaleidoscopic Dream, c'est de Makeup Obsession en collaboration avec Tiffany X Illuminati. Donc celle-là, je l'adore. Voilà, il y a toutes les couleurs dedans. J'utilise un peu moins. Ah, il est, parce que j'ai beaucoup plus de d'autres palettes maintenant, mais ça reste quand même la base pour des make-up surtout artistiques. Et la XX Envie, donc là je l'ai eu dans un swap de la part de Manon aussi, que j'aime beaucoup aussi, notamment pour ce big fard kaki. Voilà. Bon, je l'utilise pas vraiment, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ensuite j'ai la Ultimate Utopia que j'utilise plus du tout, mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est aussi de la part de Manon. Donc voilà, mais. Quand il y aura une palette à make-up, j'espère qu'elle sortira. Et qu'est-ce qu'elle est chiante, celle-là, quand je m'occupe pas d'elle. Allez, Kylie, va te coucher dans ton panier. Bouge. Bouge. Alors, la Glambox Alter Ego. J'adore cette palette. D'ailleurs, il faudrait que je la réutilise un petit peu aussi. Oh, mais elle m'énerve, hein, elle fout son nez partout. Tout ça pour que je la caresse. Elle est canon. Les paillettes sont canon. Les lumineux sont canon. J'adore. Après, vous savez que Glambox, Glamshop, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai les Morphe ici. Alors, j'ai celle-ci que la Making Bank, une abonnée m'a envoyée dans un big colis avec plein de cadeaux. Voilà, elle est très basique, hein, je ne l'utilise pas vraiment, mais voilà, c'est un cadeau d'une abonnée. Donc, je la garde pour l'instant, on verra plus tard. La 24A Artist Pass. Donc les autres Morphe que j'ai, j'avais jamais acheté une Morphe en fait. Si la James Charles et celle-là, j'avais pas gardé. C'est tout Manon qui m'a offert. Donc voilà comment ce qu'elle est. J'aime beaucoup. Avec le fard à paillettes, avec les petites étoiles dedans. Il est magnifique, mais on a du mal à prélever les paillettes, justement. La Nikita avec Nikita Dragoon. Oh, j'adore cette palette. J'aime trop, 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 trop. Voilà, elle paye pas de mine comme ça, mais il y a moyen de faire des magnifiques choses avec. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Les lumineux sont canon, mais vraiment canon. Et les paillettes ici, je vous en parle même pas. J'adore trop. Mais ma préférée, c'est vraiment la Mickey and Friends. Voilà, je l'aime trop, trop. Celle-ci vient de la part d'Imi, je crois. Voilà, je sais pas pourquoi, je l'aime autant cette palette, mais je l'aime vraiment beaucoup. Non seulement il y a l'univers Disney, mais en plus les teintes sont géniales. Et j'aime beaucoup la qualité Morphe. Enfin non, j'aime pas beaucoup. Il y a beaucoup de palettes que j'aime pas. Je trouve que cette qualité-là, par exemple, est moins bonne que par exemple les deux-là qui sont en collab. Alors, ensuite, j'ai la AC Beauty Beauté Océanique Palette. Oh, celle-là aussi, qu'est-ce que j'aime. C'est Marie qui me l'avait envoyée. Bleu, vert, tout ce qu'il y a pour me plaire. Je l'aime beaucoup et la qualité est topissime. La New Nude de chez Huda Beauty, donc en grand format de chez Huda, c'est la seule qui me reste. C'était un cadeau de la part de mon frère, sa première Huda que j'ai eue. Donc, sentimentalement parlant, je l'aime beaucoup. J'ai les deux Sananas avec Sephora, donc la 1 et la 2. La 1, c'est Manon qui me l'avait envoyé dans un swap vide placard pour que j'ai les deux, en fait, puisque j'avais pas réussi à avoir la 1. Voilà, ça c'est la 1. Et donc la 2, qui est dans les teintes plus chaudes. Alors, j'utilise pas vraiment, mais voilà. Collectionnite aiguë. J'ai la Riviera, cadeau d'anniversaire de la part de Manon. De chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, pareil, c'est une que j'aime beaucoup. Ah, j'ai mal au dos. Alors, la première que je vais enlever, bah, c'est la Wonka Bar de chez Shiglam. Voilà, il y a 8 teintes dedans, dont un crémeux, hein, c'est une base. C'est trop nude pour moi, je n'utilise pas. La qualité est bonne, l'univers est génial, mais j'utilise pas. En plus, j'ai encore la boîte, je viens de retrouver la boîte. Donc ça, je vais mettre sur Vinted. Ou je vais peut-être la donner à chat, tiens, parce qu'elle la voulait. Je vais la donner, ouais, je vais la donner à chat. Celle-ci, j'adore, celle avec les noces funèbres. C'est vraiment ma Shiglam préférée. Je l'aime trop. Alors, celle-ci, je ne vais pas la garder non plus. La Hold the Cone. Donc ça, c'est la marque qu'ils m'avaient envoyée. Voilà. C'est des teintes vraiment pastel. Plus rose marronné.
mauve et bleu. Il y a moyen de faire des très beaux make-up, mais j'ai ces teintes-là dans beaucoup d'autres palettes. Mes deux grandes Colourpop, donc la Fade Into Oop, qui reste une de mes palettes préférées de la marque. Celle-ci, je pourrais pas m'en débarrasser, même si ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais oh, j'aime trop. Chaque teinte, une colonne comme ça par teinte, j'adore. C'est trop bien. Trop bien fait. La Harry Potter Back to Hogwarts. Celle-là, c'est l'univers. Hein. Mais j'adore. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, c'est une palette que je garde. Attendez, je vais mettre la chiffre d'un mailleur. Je vais la mettre là pour l'instant. Et j'ai la Trouble Maker que Manon m'a offert dans un des derniers swaps que j'aime beaucoup également. Je l'adore, cette palette. La Avatar avec NYX, celle-ci aussi, c'était vraiment par collectionnite. Et finalement, elle est géniale. D'ailleurs, je l'ai toujours de côté pour vous pour le concours des 5K. Hein, mais on n'atteint pas les 5K, donc vous attendrez. Donc Manon, la Alice in Wonderland Sigma. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, celle-ci, j'adore. La Ninidrine de Adept. Alors, c'est que des lumineux, vous avez que deux mats, mais qu'est-ce que j'adore cette palette. Les reflets de ces fards sont juste incroyables. Par contre, c'est pas donné. Je suis tombée sur le site, je pense, où elle les a achetés, et ça coûte la peau des fesses. Donc, je vais remettre celle-là ici en attendant. Pour l'instant, j'ai enlevé deux palettes et deux giglins. Hein. On a les Norvina, on a les paillettes et phares Glam Shop et tout ça, Top Coat, quoi, la Danny Samirik, Jeffree Star et Martine Cosmetics. Donc, Jeffree Star, la Alien et la Blue Boot que je viens de recevoir. Donc, il faut vraiment que je trouve pour les ranger correctement. Oh là là, les chiens qui se battent. La Pat McGrath Celestial Odyssey, cadeau de Maryse. Pour, c'était mon anniversaire, je crois, ou mon Noël, je ne sais plus. Je l'adore. Franchement, elle paye pas de mine non plus. C'est pas le genre de marque que moi je m'offrirais, hein, mais les lumineux sont vraiment canons. Pareil, ici vous avez que 4 mats et tout le reste c'est des lumineux. Mais alors celui-là, je vous parle même pas. C'est mon préféré. Franchement, c'est très beau et la qualité est pas dégueu, dégueu. Mais je vous fais bouger. Alors, j'ai reçu celle-ci à Noël, non pour mon anniversaire, je ne sais plus, la tarte Moniteur. Le packaging est très beau, mais j'aime pas du tout la qualité des fards, je l'ai juste testé une fois, voilà. Donc celle-ci, je vais l'enlever, et j'ai encore le carton, donc ça tombe bien. Ensuite, j'ai les 4 Norvina, alors là, je les ouvre pas, parce que ça pue toujours la catastrophe, j'ai la 1, la 2, la 3 et la 6. Ouais, 6, c'est bien ça. Donc la 1, la 2, la 3, c'est Manon qui me les a offert. Et celle-ci, j'avais racheté à Amy pour une bouchée de pain. Donc c'était vraiment celle qui me faisait le plus envie. Il me manque la 4 et la 5. Et je finirai bien par les acheter. Ou les recevoir. Voilà, suivant les fêtes, ce que Manon m'offrira. Hein. Alors, on a ici les fards Constance Carole. Que j'ai tout décoté, que j'ai mis dans une palette aimantée Corazona. Il y a juste ici, c'est un Urban Decay, et ici, c'est un Carla Cosmétique. C'est ça, hein? Ouais, Carla. Carla, Clara, Clara, je n'ai plus. Voilà. La palette Bond.com de paillettes de Jolie Beauty. Ouh. Magnifique. Trop beau. Alors, celle-ci, c'était Manon qui m'avait offert aussi, mais je vais enfin l'enlever parce que je l'utilise jamais. En fait, j'aime bien que les... Enfin, je les aime bien tous, hein, mais je pense jamais à les utiliser, surtout que maintenant, avec la Glam Shop, la Jolie Beauty, j'ai ce qu'il faut en paillettes, donc celle-ci, je pense jamais à l'utiliser. Donc, je vais l'enlever. Désolée, Manon, mais je l'utilise pas, donc c'est un peu compliqué de la garder. Les 3 palettes de fard mono de Glam Shop. Donc la première c'est Maryse qui me l'avait envoyée et les autres c'est moi qui ai acheté. Ici c'est tous les multichromes. Et voilà, j'adore ces trucs-là, hein, vous le savez. La Danessa Myrick Lightwork Volume 3 de Experience Palette. Cadeau de ma petite bichette Manon dans notre dernier swap. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors le Polaris c'est un crémeux. Mais alors les teintes sont canon et les effets sont waouh. Franchement, j'adore.
Ensuite, on a la Good Money de Jeffree Star. Donc ça, c'est la première palette que moi, je me suis achetée de la marque. Parce que c'est l'hiver. Voilà, j'aime trop, trop, trop. Et on finit avec les Martine de ce côté-ci. Donc la 669, le packaging est juste dégueulasse parce que c'est du velours. Ah, je l'adore cette palette. Voilà, je crois que vous commencez à le savoir. La collection de Noël de l'année dernière, la Martine fait du ski. Oh. Tadam. Après, je craque pour ces coffrets principalement pour l'univers, hein, mais je trouve qu'elle fait tellement bien son job quand elle fait quelque chose. La Triple X, pareil, j'aime beaucoup. Je l'ai eu dans le swap de la part de Manon. Et la petite dernière, la Moula Banque. Je l'adore. Voilà, tout simplement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que j'arrive à glisser au moins la Alien ici dedans pour l'instant? Très chiante à ranger, hein, la Alien. Je vais la ranger à l'envers. Hein. Voilà. Et je vais mettre la Blue Blue pour l'instant ici au-dessus. Et je regarderai pour réorganiser ça après. Donc, on peut passer aux petites palette. Ah, maintenant j'ai deux chiens dans le bureau. Alors, dernière étagère, on a tout d'abord la Lethal Cosmétique. Donc, ça, c'est moi qui l'ai faite moi-même. Ah, il y avait un phare qui s'était cassé. Donc, voilà, celle-là, je l'aime bien. Je garde les phares. Et je vais ici, je vais la mettre là pour l'instant. Alors, celle-ci, très vieille palette. La Révolution et Alexis Toons, elle est topper. Donc, celle-là, je ne vais pas la garder. Mais je ne vais pas la mettre en vente parce que je l'ai déjà bien utilisée. Donc, je donnerai à mes nièces. Voilà, elles seront contentes. Alors, on va commencer ici. J'ai la mini Natasha Denona Mini Gold. Ouais, c'est ça. Donc, celle-ci, elle est tombée. Elle est complètement destroy. Donc, voilà. Mais c'est la seule Natasha Denona que j'ai, donc je la garde. J'ai une abonnée qui m'a envoyé celle-ci, la Ultimate. Voilà, je ne l'ai pas encore testée, mais ça ne saurait tarder. Alors, celle-ci, je vais l'enlever, hein, c'est la Unlachia. C'est Sylvana qui me l'avait envoyée. Voilà, je vais la mettre pour pas très cher sur Vinted. Moi, j'ai assez de petites palettes. J'ai les deux Wild de Huda Beauty, donc la Python, voilà, que j'utilise vraiment pas assez ces petites palettes. C'est pour ça que j'aime bien une palette à make-up et le tirage au sort, et la Jaguar qui est ma préférée des deux, bien évidemment, je l'aime beaucoup. Voilà. Oh, j'ai les trois petites palettes Game of Thrones de chez Révolution, donc que j'avais eu dans le coffret. Celle-ci, pareil, hein, je garde par collectionnite hein, de Game of Thrones, mais je les utilise pas beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci. Ah oui, c'est une de chez Primark. Pareil, c'est une abonnée qui me l'avait envoyée. Je vais pas la garder, c'est pas le genre de teinte que j'utilise, vous voyez, elle est neuve en plus. Donc je la mettrai à 2 € sur Vinted ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas, ou la donner. Non, c'est pas évident avec les chiens. Alors, j'ai la Escape de Indie et Adeso. Voilà, ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est la marque qui me l'avait envoyée, enfin c'est Indie qui me l'avait envoyée. Elle veut pas tenir. J'ai les deux mini comme ça, Katkin, c'est Maryse qui me les a offert parce qu'il y a des bombes dessus. Donc voilà, c'est pas vraiment des teintes que j'utilise non plus, c'est pas une qualité de phare que j'utilise non plus, mais les packagings sont cute et c'est un cadeau. Voilà, celle-ci. Et celle-ci. Voilà, donc, vous voyez que c'est pas des teintes que j'utilise beaucoup, mais c'est vraiment voilà, Maryse aime bien me trouver des trucs avec des bombes. Alors, les Colourpop, là, je vais pas rentrer en détail parce que il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai la Baroque et la Grandeur, la Making Move, la That's Dope, la Mean to Be, la Just My Luck, la Blowing Smoke, la
Baby God Peach, La Clochette, Elsa, Anna, Dark Vador, Mandalorian et The Child. Voilà, j'y tiens, mes petites palettes là. Alors, il y a la Dance Baby. Donc, elle tourne, mais elle, une fois que vous l'ouvrez, elle tourne plus. J'ai du fard à papier partout. De chez Focalure que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Voilà. Après, elle ne tourne plus. Donc, celle-là, je ne vais pas la garder non plus. Je n'utilise pas du tout. Ici, on a les deux Eyo Coralie avec Beauty Bee. C'est les deux, la deuxième collab qu'elle a sortie avec eux. Et j'ai beaucoup aimé l'idée des deux petites palettes et les teintes, j'aime beaucoup. Donc ici, on a les 12 de, des Shiglam Astrologie. Donc je vous en montre juste une. Voilà. Il y a toutes les vidéos en barre d'infos. Hein, donc il y a les 12 signes astrologiques. Ici, j'ai les deux du calendrier d'avant de Glam Shop. Donc, celle-ci, donc on a eu les deux palettes dans la première case et ensuite on a eu les fards à paupières par un ou souvent deux. Et voilà la deuxième. Donc, à chaque fois, on a eu un mat et un lumineux. Ensuite, j'ai la Corazona Loving You. Donc, je vous avais fait tout un crash test de la marque. Celle-ci, je ne vais pas la garder non plus. Voilà, j'ai utilisé qu'une fois. Ce n'est pas une qualité dégueu, hein, mais c'est des teintes voilà, qui ne me transportent pas plus que ça. On a la URD de Odin's Eyes. Donc, Odin's Eyes. Donc, ça, c'est Maryse qui m'avait envoyé et je l'aime beaucoup, beaucoup. Très bel univers aussi. Ici, c'est la Sativa, donc ça, c'est, je ne connais pas du tout, c'est Millennial Beauté, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est une abonnée qui me l'avait envoyé, et j'aime beaucoup les teintes. Et j'ai bien aimé la qualité aussi, mais je ne sais pas du tout où vous pouvez la retrouver. Alors, j'ai les deux Gloss Good que ma, Manon m'a envoyé. Voilà, celle-ci, alors là, c'est que des lumineux, mais elle est canon. Et celle-ci, la Smoke and Mirror, j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, j'ai la Moira. Donc, pareil, je vais pas la garder. J'avais craqué sur le packaging et l'univers, mais... Franchement, je sais pas. J'aime bien, elle est magnifique. Mais non, mais je vais pas la garder. Ça sert à rien, je n'utiliserai pas. La Supérieure de chez Pélouise, cadeau de Maryse aussi, et je l'aime énormément. Voilà, voilà. Et la petite dernière que je ne vais pas garder non plus, c'est la Sisi. Donc ça, c'est la marque qu'il m'avait envoyée aussi, Zizi. Voilà, elle est très belle, mais je ne pense jamais à l'utiliser non plus. J'ai encore la boîte, il me semble, donc voilà. Je vais la mettre sur Vinted. Et voilà, donc je vais pouvoir ranger un peu mes palettes autrement. Je vais déjà mettre celle-ci ici devant les Shiglam, avec les Shiglam. Voilà. Je gagne un peu de place hein, comme ça. Alors les deux là, je vais les mettre. La Danessa Myrick, je peux la mettre ici et je peux mettre les Glam Shop avec. Voilà, on est bien Tintin. Et la Nétale, je vais la mettre ici. Voilà, bon après, toujours le problème que je ne vais pas forcément m'y retrouver. Alors, je vais mettre la Blue Blood ici. Voilà. Bah écoutez. J'ai réussi à ranger toutes mes palettes. Ouais. Eh bien, écoutez. Donc, voilà pour ma collectionnite aiguë de palettes. Je ne les ai pas comptées. J'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quand même. C'est très bien, je trouve. Je vais vous montrer comme ça... Voilà, si vous voulez, je ne la mettrai pas en vente tout de suite sur, sur Vinted, mais comme ça, si vous voulez, vous savez ce qui va être en vente et tout ça, tout ça. Donc, voilà ce que j'ai enlevé. Donc, il y a la Zizi que j'ai le carton.
Il y a la Moira, la Corazona, la Focalure. Celle-ci, je pense que ouais, je la mettrai à 3 euros sur Vinted. Il y a celle-ci, 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 j'ai la boîte. Il y a celle-ci, et les deux-là, je vais donner. Donc, celle-ci à ma nièce et celle-ci, je vais donner à la copine d'Enzo. Voilà. Donc, s'il y en a qui vous intéresse, vous m'envoyez un message et on s'arrange avant que je les mette sur Vinted, que je vais certainement les mettre ce week-end.